Salut l'équipe! Dans mon frigo, j'avais du riz basmati, des carottes, une côtelette de porc, un peu de jambon, des tomates cherries, de la mayonnaise, de la pâte de wasabi, du fromage, de la sauce aigre-douce. Alors, on va faire deux sortes de sushis avec tout ce qu'on a. Si on met tout dans un, ça fait un petit peu beaucoup. Alors, on va d'abord commencer par prendre un peu notre riz. Comme une bande. On va essayer de ne pas y faire trop gros, sinon c'est pas très agréable à manger. Alors votre riz, il faut qu'il soit assaisonné, bien sûr. Voilà, on va essayer comme ça. On va mettre un petit peu de sauce aigre douce. Soit c'est à volonté, hein, c'est selon les goûts de chacun. Je préfère mettre la moutarde ou n'importe quelle sauce. Chacun fait comme il veut. Les vrais sushis en général c'est avec du wasabi. Ce sujet là il est hyper fort. Alors on va mettre un petit peu de porc. Si vous coupez pas trop épais, sinon ça va pas être très agréable à manger. On peut rajouter un petit peu de fromage aussi dans celui-là. Là. Voilà. Maintenant, on va rouler ça, tout simplement. On va prendre comme ça au début, tac, et on va serrer. Et on roule. Plus serré possible. On serre sur les côtés. Voilà. Après, avec mon papier d'alu, je referme comme ça. Voilà, on a un boudin assez compact, on va le réserver au frigo. Alors cette fois on va essayer de mettre du jambon. On va faire un peu notre base, ça va faire le tour. Voilà, on va faire un grand comme ça, tac. Le riz à l'intérieur. On va faire un petit peu de sauce. Alors, mon wasabi il est vraiment trop fort, en tout cas pour moi. Donc je vais le mélanger avec un petit peu de mayonnaise. Voilà, alors on va pouvoir remettre comme dans l'autre un petit peu de carotte, c'est un peu bien. On va mettre notre sauce dessus. Voilà. Ensuite on va pouvoir mettre un petit peu de tomates. Après, comme j'avais déjà dit avant, hein, si vous avez du poisson, vous pouvez mettre du poisson cru, du poisson cuit. D'autres légumes, tout ce que vous avez sous la main, ça va être très bien. On peut mettre un petit peu de fromage qui nous reste là. Ah, j'avais 2-3 carottes, on va mettre 2 carottes. Hein. Voilà. Et, comme tout à l'heure, on va serrer ça. Alors tout simplement, maintenant on va essayer de couper le premier. Prenez un couteau aussi, de préférence. Après, vous coupez comme des petits sushis. Voilà. Alors, bon appétit, à plus.